C'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Quand j'ai raté le premier penalty, tous mes coéquipiers étaient venus vers moi. Sadio, tu as raté. Mais écoute, on s'en fout. Nous sommes l'équipe. On gagne ensemble. On perd ensemble, on gagne ensemble. Et avant d'aller tirer le dernier penalty, vous voyez les images, tout le monde était venu vers moi. Et je pense que ça, c'est ce qui a fait la différence. Parce que ça m'a donné tellement de motivation. Et j'étais plus concentré que jamais. Ils sont venus tous, on va te bénir, viens, on va te bénir. Tout le monde était venu, moi, ils étaient tous joyeux. Je vois leur visage, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'a donné plus de... J'étais le dernier tireur, ça a été choisi par le coach. Ils ont choisi et j'étais le dernier tireur. Depuis même 2017, vous voyez, j'étais toujours le dernier tireur. Et je pense que ce trophée aujourd'hui, je vois le peuple sénégalais, ils ont beaucoup souffert. Tout le monde, mais personnellement, ce trophée, moi je le dédie à Aliou Cissé. Cet homme, vous n'allez pas savoir comme ce qu'il a apporté pour le football sénégalais, surtout ce qu'il a apporté pour nous, mentalement, tout. Et je pense que ce trophée, si je vous le dis, je le dédie à Aliou Cissé, croyez-moi, ce mec, ce monsieur, il mérite tout. Je pense que je l'ai dit dès le début, et je pense que tout le monde était conscient, nous, on était tous conscients que. Il y a moyen de gagner la CAN. Parce qu'on connaît le sommet, on a été là-bas, on connaît déjà le sommet. Et on a l'espérance par rapport à ça. Depuis l'échec de 2019, je pense que ce n'est même pas un échec. Parce que ça nous a permis tellement d'apprendre et on a beaucoup, beaucoup appris. Et ça, c'est l'espérance qui aujourd'hui nous a fait gagner ce match. Vous savez, quand j'ai tiré le pénalty et j'ai raté, j'ai déjà pensé immédiatement à Aliou Cissé.